Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Samuel Joseph Edu. Dans la leçon passée, nous avons vu comment nous sommes capables de lancer Microsoft Excel. Je dis, nous avons ensemble éléments qui sont dans l'interface Microsoft Excel 2010. Avant d'aller plus loin, abonnez à Chanel là pour qu'on fasse ça. Quittez un petit like pour nous, un petit pouce là, pour capable toujours encourager nous. Partagez la vidéo nous et quittez quelques commentaires pour nous en bas post là. Interface Excel 2010. Qui ça interface là? C'est tout ça m'a observé là lorsque moi fin lancer Microsoft Excel 2010. Je fais ouvrir le logiciel là et voilà ça m'a regardé là mes amis, c'est les mêmes qui interface là. Nous allons apprendre ensemble éléments qui dans interface là. On va commencer en l'air pour nous arriver en bas. Premier élément n'a c'est barre rouge ça que n'a regardé là, lire les barres de titre. Barre de titre là c'est là-dedans nos documents les affichés. Par défaut, les nous ouvrions un document dans Excel, les nommer Book 1. Ça, c'est non par défaut Excel Bali. Si pendant fichier ça actif là, ou bien pendant fichier ça ouvre là, moi ouvre l'autre fichier, ma pourrais lui marquer Book 2. Si je descends dans la barre des tâches là, je garde deux fichiers Excel ou deux classeurs qui ouvrent. Je ferme un, parce que c'est son seul travail là. Eh bien, ça, c'est lui-même qui relève le titre là. Si nous ouvrons tout un document qui est enregistré déjà, ou bien nous travaillons sur un document qui est déjà enregistré, nous pouvons avoir un document affiché là. À côté, à gauche, nous gagnons barre d'outils d'accès rapide. Barre d'outils d'accès rapide là, barre d'outils d'accès rapide là, lui-même, lui permet nous ajouter ou bien retirer quelques commandes. Là, nous ajoutons quelques outils. 4. Alors, nous gagnons par défaut, nous gagnons 4. Nous gagnons un bouton ça qui permet de restaurer, déplacer fenêtre là, redimensionner, minimiser, maximiser les puis fermer. Là, bouton ça permet de enregistrer. Bouton ça permet de enregistrer. Bouton ça permet de faire back, son bagage que je fais déjà. Et bouton ça permet de avancer dans une activité que je fais récemment. Ça, c'est barre d'outils d'accès rapide. Puis devant, nous sommes capables de comment nous capables d'ajouter l'autre commande avec bouton ça ou bien avec barre et l'autre commande dans barre ça qui c'est barre d'outils d'accès rapide. Là. À droite, nous gagnons bouton ça qui c'est minimiser, restore down et close. Bouton ça, il permet de descendre la fenêtre dans barre des tâches là. Après ça, va aller dans barre des tâches là, moi, on te lit. Ça lui permet de diminuer fenêtre là lorsque je fais restore down, m'a gagné capable maximiser maximiser là lorsque le doubler m'a capable faire fenêtre là pas plein écran, retirer fenêtre là en mode plein écran, lorsque me retourner sur lui là, lui permet moi mettre fenêtre là en mode plein écran. Et ça lui même lui permet moi fermer et bien logiciel là qui c'est Excel 2010. Nous descendons dans le bouton ça là et dans la ligne ça, là nous gagnons barre de menu. Barre de menu, c'est là-dedans nous jouons menu. File, qui sont menu qui gagnent tout outil ça là-dedans, toute option ça yo. Home, ou bien accueil, qui gagnent toute option ça yo, les options de mise en forme et du paramétrage primaire. Nous gagnons N7 qui permet de faire d'autres apports, soit que m'ajouter une forme, m'ajouter un clip, m'ajouter une photo. Et moi ajouter un screenshot des pieds de page et en tête de page. Nous gagnons page layout qui permet moi faire mise en forme de la page. Nous gagnons formula qui c'est côté ma jeune toute formule mes amis que nous capable d'utiliser dans Excel. Vendu Excel il y a tellement de formules. Ça va dépendre de où même de qui travail va faire c'est ça qui va permettre d'utiliser Excel. Pas oublier nous Excel va utiliser la fonction de ça qu'on vient pour faire. Nous gagnons data qui permettent nous paramétrer données, travail avec données que nous avons utilisées. Nous gagnons review qui permettent nous faire correction langue, qui permettent nous corriger quelques mots qu'une entrée, qui permettent nous ajouter commentaires, qui permettent nous faire quelques travail qui plus ou moins important. Nous gagnons view qui permet pour mode d'affichage que nous avons. Et ça, c'est sur un Foxit Reader comme lecteur PDF ou Apple. Ce pas un Foxit Reader comme lecteur PDF ou Apple. Nous gagnons l'autre qui c'est add-ins. Maintenant, comment pour ajouter le pied devant. Là, tout nous avons presque gagné même bouton. Ce bouton ça, lui permet moins
Là, nous gagnons avant tout, nous gagnons là qui c'est barre de menu. Là, nous gagnons c'est ruban. Chaque menu a propre ruban pâle. OK? Chaque menu a propre ruban pâle. Nous avons ruban pour menu insertion et menu accueil. Regardez ruban pour menu insertion, pour page layout, formule, data ou données, review, view. Chaque menu marche avec propre ruban pâle. Ça, yo, c'est ruban. Yo. Là, bouton ça, lui permet moins masquer et afficher ruban. Masquer, moins afficher. Ça permet moins chercher aide. Lorsque mon bagage ne pas comprendre, nous sommes capables de demander Excel aide. Des fois, la demander pour nous gagner une connexion Internet. Là, lui permet moins minimiser classeur même. Là, nous, fenêtre l'arrêté. Et puis, classeur a minimisé. Voilà. Vous voyez, mais classeur en bas là, alors que fenêtre là, fenêtre application, hein, les mêmes vérités. OK? Là, nous augmentons, nous agrandissons. Ça lui permet de moins redimensionner. C'est Restore Windows pour même fenêtre là, toujours. Ouais. Moi, mettez en bas là, ou à côté de descendre. Là, moi, capable de faire ça avec. Voilà, nous réduisons. OK? Nous capable de travailler à balle et grosseur que nous voulons. Mais, mes amis, le plus bon, si les était comme ça, là, nous gagnons une meilleure option de travail. Et, bouton ça, lui permet de fermer fenêtre ça, pas fenêtre application, mais permet de fermer fenêtre faire des calculs là. Là, nous gagnons bouton ça qui permet de ouais, non cellule. OK? Là, nous avons B1, là, nous cellule B1, là, nous cellule K15, là, nous cellule P8, là, nous cellule L2. Là, lorsque vous cliquez sur cellule, nous avons cellule qui est active. L'idim, qui cellule qui est active. Ça, c'est non cellule et puis fonction. Comment on va faire une fonction? Depuis que vous mettez égal là, les quittez non, et bien, les quittez non cellule là, l'idim, mettez une fonction. Vous pouvez choisir une fonction, ça y est, pour mettre. Mais, en dehors de ça, lorsque vous cliquez sur lui, les bandes non cellule là. Là, c'est barre de fonction. Là, c'est là, moi, insérer fonction que ma travail avait dans Excel. Là, flèche ça, ok, permettez-moi aller là pour moi entrer fonction que moi décide de rentrer. Voilà. Ligne, ça, c'est côté nous gagnons colonio, identifiant colonio qui c'est des lettres. Là, nous gagnons identifiant ligne qui c'est des chiffres. Bouton ça, il permet de sélectionner toute classe A. Il permet de sélectionner toute classe A. C'est bouton ça là, qui entre A et 1. Il permet de sélectionner toute classe A. Voilà. Et là, nous gagnons barre de défilement vertical. Là, nous gagnons barre de défilement horizontal. Barre de défilement vertical. Barre de défilement horizontal. Là, nous gagnons onglet feuille de calcul. Sheet 1, 2, 3. Là, nous gagnons barre d'état. C'est lui-même qui dit non. Eh bien, comment document nous envoyons? Nous avons un mode d'affichage là, bouton d'affichage, ça est normal. Layout, là, nous avons l'autre affichage, nous avons une feuille. Ça, c'est l'autre affichage qui c'est en break view. Là, nous avons chaque, là, nous pas gagné section. Nous avons chaque section que nous gagnons dans le document. Et ça, c'est bouton zoom pour moins agrandi ou diminuer feuille de calcul là. Par défaut, li à 100%. C'est ensemble d'éléments ça ouais dans interface là. Puis devant, n'a pour commande capable ajouter commande et comment n'a capable utiliser chaque menu et chaque ruban qui vient qui regroupe les outils que n'a besoin d'utiliser en dans Excel. Merci, à la prochaine.